Un agent secret un peu bracassé est envoyé à Los Angeles pour protéger Britney Spears qui risque d'être enlevée par un groupuscule islamiste. Le seul problème, c'est que cet agent secret n'a pas son permis de conduire, alors qu'à Los Angeles, en voiture, vous ne pouvez rien faire. Donc du coup, il traque Britney Spears avec les paparazzis, avec la police et essaye de la protéger. Il raconte son aventure du fin fond du Tadjikistan où il a été exilé parce que son aventure s'est avérée un véritable fiasco. J'étais arrivée à Los Angeles dans la soirée du 1er avril. À la réflexion, je me demande dans quelle mesure le colonel Otchakov n'avait pas choisi cette date à dessein, afin de suggérer que lui-même ou quelqu'un de plus haut placé envisageait la mission qui m'avait été confiée comme un gag. Les collègues m'ont d'ailleurs affirmé qu'elle figurait dans le planning après mon départ sous le nom de code Poisson d'Avril. Ce qui, à proprement parler, ne prouve rien. Peut-être même, s'exagérant de beaucoup ma perspicacité, n'avait-il arrêté la date du 1er avril que pour me mettre la puce à l'oreille et m'épargner tout ou partie des déboires que je devais rencontrer par la suite. Ce roman m'a beaucoup plu parce que Jean Roulin, son auteur, a l'art de décortiquer les mœurs de notre société qu'il trouve un petit peu décadente, mais dont il s'amuse éperdument. Ce qui est très drôle aussi, c'est qu'on sent qu'il s'est vraiment attaché à Britney Spears et on le ressent parce que c'est une jeune femme pleine de fêlures, tout en ayant beaucoup de talent et de grandes qualités de cœur. Ça rend ce roman aussi attachant finalement que son héroïne Britney Spears.